Bonjour John. Bonjour Violette. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle chanson que tu as écrite il n'y a pas très longtemps. Ça fait combien de temps que tu l'as écrite, cette chanson? Je viens de la finir, ça fait 2 semaines. D'accord. Alors, elle traite de quoi, cette chanson? Alors, bien, c'est les fake news. Alors, en fait, je veux parler des Illuminati, je veux parler des reptiliens. Voilà. Et pourquoi? Parce que notre monde est sous gouvernance reptilienne. Ah bon? Non, parce qu'en fait, oui, voilà, parce que... parce que y a pas mal de... Enfin, voilà, moi, perso, j'ai cru pendant des années qu'on n'avait pas été sur la Lune, que c'était un gros complot, parce que j'étais tombé, je vais avoir 14 ans, sur une vidéo expliquant que, voilà, c'était un grand complot, que ça avait été tourné dans le désert, que, voilà, il y avait 3 personnes au lieu de 2, que c'était pas normal, qu'il y avait plusieurs ombres, etc. Et donc, tu avais cru à ça tout de suite? Oui, parce que les vidéos sont faites de façon à ce que ça à ce qu'on ait le doute. En fait, plusieurs arguments sont enchaînés les uns après les autres. Il y a des façons de dire les choses qui font que vraiment, on peut se poser des questions. Mm. Il faut faire un vrai travail de recherche pour vérifier ce qu'ils disent. Mm. Et certains esprits, notamment les enfants, ne peuvent pas le faire. Et justement, j'ai remarqué il y a peu de temps, beaucoup de vidéos sur les Illuminati, etc. Il y a pas mal d'enfants qui pourraient éventuellement se poser des questions. Mais voilà, donc en fait, j'ai rencontré des gens qui parlent de la Terre plate et c'est venu un peu d'un ras-le-bol de ces gens-là. Et du coup, voilà... Je voulais écrire un truc un peu rigolo. Mon idée, c'était de faire quelque chose de rigolo. Bon, on va voir. Bon, bah alors on peut écouter ta chanson, alors. Allez. Hier encore, j'ai chatté avec un mec qu'on appelle un platiste. Et je vous jure qu'il m'a fait bien plus marrer que certains humoristes, débitant un nombre de conneries incalculables par seconde. Je me suis dit, faut que je revoie mes blagues et que j'oublie celles sur les blondes. En 2 secondes, il m'a retourné le cerveau, m'a noyé de complots. Il m'a fait plus mal au crâne que du mauvais bédo. Et quand j'ai fini par lui dire qu'il avait certainement un problème, il m'a insulté de mouton, un chien du système. Les nouveaux Don Quichotte qui combattent sur un Internet, les méchants Illuminati qui contrôlent la planète et dans leur monde mystique. Bourrés de reptiliens, ils sont les résistants héroïques du genre humain, les nouveaux Don Quichotte qui combattent sur Internet. Les méchants Illuminati qui contrôlent la planète et dans leur monde magique. Où la Terre est plate, c'est tout le monde qui est de mèche dans le complot, même ton prof de maths. Certains sont prêts à tout, donc c'est sûr qu'il y a des manigances pour mettre les peuples à genoux. Mais quand j'entends le discours de ce genre d'énergumène, je peux concevoir qu'il y en ait qui ait envie d'exploiter l'espèce humaine et de mettre en place des Nabilas. Non mais allô quoi? T'as vu le niveau de ce qu'on voit dans les médias et sur YouTube? Les vidéos à caractère intellectuel feront à jamais moins d'audimat que celles sur les chats. Les nouveaux Don Quichotte qui combattent sur Internet, les méchants Illuminati qui contrôlent la planète et dans leur monde mystique. Bourrés de reptiliens, ils sont les résistants héroïques du genre humain, les nouveaux Don Quichotte qui combattent sur Internet, les méchants Illuminati qui contrôlent la planète et dans leur monde magique. Où la Terre est plate, et tout le monde que de mèche dans le complot, même ton ostéopathe. Conteste tout, l'alunissage, les chambres à gaz, ils voient le mal partout. La république maçonnique et satanique, ils peuvent te rendre fou. Sans argument, t'insultes violemment. Et ce qui est vraiment navrant, c'est que leurs vidéos puissent toucher nos enfants. Vous pouvez vous demander pourquoi j'ai écrit cette chanson, pour qui je vais me faire passer en traitant les autres de cons. Mais je vous jure en vrai un but profond, vous inciter à la vérification d'une information avant sa rediffusion. Car aujourd'hui c'est vrai qu'on est tous un peu journalistes à notre façon.
et en ayant des conneries de manipulation, y'a pas que de me faire gaulerie qui me procure comme émotion les nouveaux Don Quichotte qui combattent sur internet les méchants Illuminati qui contrôlent la planète et dans leur monde mystique. Bourrés de reptiliens, ils pensent être résistants, héroïques du genre humain, les nouveaux Don Quichotte qui combattent sur internet les méchants Illuminati qui contrôlent la planète et dans leur monde magique. Où la terre est plate et te montre que de mèche dans le complot, même ton prof de science n'a. Parce que c'est vrai, vous comprenez, en fait, si la terre est tournée, quand l'avion il veut aller en Chine, il décolle, bon, la terre elle tourne. Bon, si l'avion, bon. Le problème, c'est qu'il va se retrouver aux États-Unis, donc il faudrait qu'il aille très très vite, sinon il y a un problème. Non, la Terre est plate, vraiment. C'est on nous ment, on nous ment. Super, merci John. Avec plaisir. Toujours une forme de chanson engagée quand même. Enfin, c'est pas engagé, qu'est-ce qu'on peut dire? Tu vis des expériences et puis tu en écris des chansons? Qu'est-ce que c'est en fait ton fil conducteur? Y a plusieurs types. Hein. Y a par exemple une chanson que j'ai écrite par rapport à la souffrance qu'on peut éprouver dans les casinos, parce que j'ai pas perdu des milliers de cents dans les casinos. N'empêche que bon, ça m'est arrivé quand même d'avoir une petite passe difficile là-dedans. C'est vrai que là c'est du vécu par exemple. J'ai rencontré des gens qui étaient vraiment dans des difficultés. J'ai vu une dame faire des allers-retours entre la roulette et le distributeur automatique. Perdait, retournait, reperdait, en pleurant presque. Hein. Donc même là, un croupier est intervenu, les madames rentraient chez vous. Donc voilà, donc là c'est plus du vécu. La chanson là sur des Illuminati un peu aussi quelque part, puisque c'est j'ai rencontré des gens comme ça sur internet, quoi, et comme je dis, hein, j'ai chatté avec un platiste, machin. Ça dépend des chansons. Là, c'est celle que tu... Alors moi j'aimerais bien, Citoyen du Monde. Bah, maintenant du monde. Qu'on a parlé quand même de cette expérience dans les casinos, dans les jeux, en fait, peut-être tu peux nous la faire alors. C'est possible. C'est possible. Après, par contre, je ne promets pas une grande qualité d'interprétation. Non pas parce que je viens de la finir celle-ci, parce que je la bosse pas beaucoup, j'avoue. J'avoue de ne pas la bosser beaucoup, mais je peux la faire si vous voulez. Allez, on essaye. Voilà. Enfin, tu l'as fait. Elle a été écrite il y a combien de temps, celle-là? C'était il y a 7 ans. 7 ans. 7 ans déjà, c'est pas si vite. Hein. Alors, ok. Bon. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, ça y est, je crois que je vais m'énerver. Y'a moyen de péter les plombs, et je crois que je vais les péter. Retenez-moi vite, sinon je vais craquer. Si vous êtes des amis ou des frères, venez m'aider. Va me donner
plus confiance en moi. Encore, encore. Cette fois-ci, ça y est, je crois que je vais m'énerver. Y'a moyen de péter les plombs, et je crois que je vais les péter. Retenez-moi vite, sinon je vais craquer. Si vous êtes des amis ou des frères, venez m'aider. Et oui, donc en fait, ça représente une personne qui est accro, quoi, en fait, parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent aller jouer comme ça aussi pour s'amuser, pour mais après tomber dans la dépendance. Là, c'était quelqu'un qui tombait dans la dépendance. Mais j'ai vu dans des rapports d'addictologie que la dépendance au jeu d'argent était limite même plus forte que la dépendance aux drogues. Ah d'accord. Pourquoi ? Parce que le dépendant au jeu d'argent a toujours l'illusion de croire qu'il peut rattraper ce qu'il a déjà perdu. Il croit qu'il peut gagner quelque chose qui dépasse, qui annulerait en fait tout son passé de perte. Alors que le drogué sait qu'il ne peut pas récupérer de l'argent, enfin, il n'y a pas de, il n'y a pas cette illusion. Donc elle est très forte, la dépendance. Oui, donc là, c'est moins joyeux déjà. C'est moins sympathique. Mais bon, c'est un appel à l'aide. N'empêche que, moi, voilà, c'est quelque chose que j'ai ressenti assez fortement. Donc, d'accord. Donc, après cette chanson, c'était fini. Oui, ça a été. Ça n'a pas duré longtemps, du coup. Après, une fois que j'ai écrit cette chanson, terminé. Je me suis dit, je ne récupérerai jamais les. Bon, j'ai pas perdu grand chose. Je me suis dit, je ne récupérerai jamais cet argent-là. D'accord. Mais ça m'a permis, justement, d'arrêter. Quoi. Alors, en fait, écrire des chansons, pour toi, c'est presque une thérapie, non Oui. Je pense que d'écrire, de manière générale, pour les gens, même écrire comment on appelle ça, vous savez, un livre Quand on est enfant, surtout, on le fait, les. J'ai un trou de mémoire là, vous savez, on écrit un peu tout ce qu'on pense, c'est jeunes filles surtout. Ah oui, un journal intime. Ouais, un journal intime, voilà, merci. Même ça, ça permet de sortir des choses. Et là, avec toi, c'est les chansons. Alors, la chanson que j'aimerais, Citoyen du Monde. Ouais, Citoyen alors, pourquoi du monde. Tu l'as écrit celle-là alors Celle-là, c'est juste c'est une chanson un peu à part, c'est ni du vécu, ni. Ni une volonté d'un sujet particulier, j'ai laissé le papier s'exprimer vraiment. C'est-à-dire, j'aime beaucoup Aznavour, je me suis dit, je vous parle d'un temps, et je me suis dit, tiens, je vais modifier un peu les mots pour faire un truc un peu particulier, un peu. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent plus connaître. Je suis parti là-dessus, sans vraiment savoir ce que j'allais dire en fait. Ah, et oui. C'est au fur et à mesure. Ça, c'est une manière d'écrire aussi. Ah d'accord. Il y a une chanson que j'écris comme ça, c'est Éphémère. J'étais assis devant une amie et on a fait un travail d'écriture comme ça. On a toutes les deux pris une feuille, un stylo, on a dit, on écrit quelque chose. Je me suis dit, assis sur une branche que je scie, sursis, sursaut, presque dans la folie. Les mots sont venus comme ça, sans savoir ce que j'allais dire. Et ça a fait une chanson. D'accord. Alors, des fois, on peut écrire comme ça aussi. Il y en a qui font des trucs comme ça sans savoir ce qu'ils veulent dire, ça fait des. Bon, alors donc là on va écouter Citoyen du Monde. Ouais, Citoyen du Monde, d'accord, ok. En cette époque charnière, un point en l'air que je suis pas suicidaire. Il faudrait pouvoir avancer la solution, la solidarité. Liberté, égalité, fraternité. Ça fait bien sur les mairies, mais c'est loin de cité. Hey.
trouble que la misère emprisonne beaucoup de frères. Et cette image de gangster, quel dommage qu'elle prolifère. C'est plus dur de parler d'amour. Arrête ton Charles, c'est naze l'amour. Au pays des droits de l'homme, 20% pour le borgne. Citoyen du monde, il faut qu'on pardonne ce monde. C'est sans fin, il faut qu'on pardonne pour aller plus loin. Car ce cercle est sans fin, la rancune c'est sans fin. Il faut qu'on se pardonne pour aller plus loin. C'est sans fin, il faut qu'on se pardonne pour aller plus loin. Car ce cercle est sans fin, la rancune c'est sans fin. Il faut qu'on se pardonne pour aller plus loin. Merci beaucoup pour toutes ces chansons. Il y en a combien en tout des chansons que tu as écrites depuis J'ai dépassé la trentaine, je vais être au 34. D'accord. Ok, ben dis donc. Avec plaisir. Merci John. John, tu as écrit une chanson qui traite la religion, en fait. Les religions ou la religion? Non, elle s'appelle Ma religion, mais je parle pas vraiment de la religion. Enfin, c'est un, j'utilise les termes religieux pour parler d'amour. Enfin, bon, souvent on remarque, hein, regardez le mot extase. C'est un mot qu'on utilise à la fois dans l'amour et à la fois dans la religion. Et oui. Il y a beaucoup de mots comme ça, mm-hmm. qu'on utilise à la fois dans les deux. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de chansons mm-hmm. Comme Alléluia de Cohen, mm-hmm. qui est comme ça aussi, hein, qui parle d'amour et de religion en même temps à la fois. Donc, ouais, c'est un peu une chanson dans le même alors, style. Alors qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire cette chanson? Ouais, je suis tombé amoureux. Ah. Vraiment amoureux, ça faisait longtemps que je n'étais pas tombé amoureux comme ça. Ah d'accord. Que l'on voit dans les chapelles, pas là pour justifier la guerre, le pouvoir du monde illusoire. Elle est composée de ceux que j'ai aimés. De tout bord je suis, mais jamais attaché. Chaque sourire me fait me reconvertir, sans jamais renier les prêcheurs du passé. J'en apprends tous les jours dans les yeux des enfants. Quand je rencontre l'amour, j'y vais entièrement. Mon paradis est ici, dans ce parc avec toi. Tu es à la fois le Messie, la déesse et la loi. Mon enfer est si beau quand tu le repousses. Quand je ne trouve que mots qui te donnent la force. Ta parole de lumière, tes petits yeux cuivrés, tes tatouages de mystère et tes jolis grains de beauté. Ta finesse d'esprit comme celle de ton corps ont rallumé ma vie. Mon ébranlé si fort, je suivrai tes conseils comme des commandements. J'admirerai les merveilles que tu fais en créant. Que ces quelques vers soient prière de reconnaissance. Depuis que j'ai foi en toi, ma vie a gagné du sens. Je te serai fidèle, mais pas par peur de l'enfer, pour l'universel, afin que tu ne puisses pas trop t'en faire. Hélène, ma belle, je t'aime, j'ai l'impression que ça fait l'éternité que je te connais. T'es comme du miel, tout le monde qui chauffe pour moi, c'est sûr, t'es bonne pour la santé. Je veux partager ta vie en veillant toujours à conserver la liberté. T'es une déesse, t'es pas faite que pour moi, mais je voudrais devenir ton préféré. Ma religion n'est pas celle
qui te mettra des chaînes. Y'a pas de péché original ni même jardin d'Éden, sauf peut-être celui qu'on cultiverait ensemble. Et l'extase de nuit, la beauté quand tu trembles. Très belle chanson d'amour, oui. Merci.